Chili, Argentine, Liban, Guinée, Irak, Algérie, Bolivie, Hong Kong, Haïti, et j'en passe. La révolte des peuples prend une échelle mondiale, avec à chaque fois, bien que pour des raisons différentes, à chaque fois, un même idéal de justice sociale et une protestation contre le déclassement dû à la mondialisation financière. Elle fait tomber des têtes, elle fait peur à la finance, et elle fait courir le risque, avec l'imminence de l'effondrement financier, d'un vrai risque de chaos. Bonjour Jacques. Bonjour. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour tout Bonjour. le monde. Alors, on va y revenir en détail dans cet éclairage. Mais avant, on va revenir sur un fait historique, puisque demain, on fête les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Le peuple allemand s'est soulevé, à la grande surprise de tous, et il a fait donc chuter cette opposition Est-Ouest. Jacques Chaminade, est-ce que ça a un rapport et quel était l'enjeu à l'époque? Alors, pas à la surprise de tous. Dans un discours du 12 octobre 1988, Lyndon LaRouche, qui était à Berlin à ce moment-là, qui était à partir à l'hôtel Kempinski à Berlin, a fait un discours disant: il va se produire quelque chose à l'Est. C'est la fin du système soviétique. C'est-à-dire, ça ne marche plus. Et ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que ce n'est plus capable de donner au peuple russe, mais aussi au peuple de ce qu'on appelait à l'époque les satellites, un sens du futur, un sens d'une vie meilleure. Et puis, il y a une forme d'oppression qui se manifeste à chaque instant de la vie privée des gens. Donc, ça commence, la révolte commence en Pologne, puis elle se développe, des gens fuient en Allemagne de l'Est en passant par la Hongrie, et peu à peu, on arrive à cette chute du mur. Ah, c'est un Où, processus qui a pris plusieurs années. 6 novembre, donc, 89, 30 ans après que le mur a été construit. Alors, ce qui arrive, c'est que tous les gens se révoltent, et en France, on dit à l'époque: ah, mais évidemment, le système soviétique ne peut pas tomber, il tombe. D'autres disent en Allemagne: c'est très bien, c'est comme une chose en soi, ça va aller dans le bon sens. Ça ne va pas dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vision. Et on passe à un moment où le système qu'on peut appeler du capitalisme financier de connivence, on peut appeler le système de l'oligarchie britannique, le système de l'Empire britannique, se met en place et opprime et détruit l'Union soviétique Parce que et la Russie. Donc il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de projet. Et ce projet, Lyndon LaRouche et nous-mêmes avons essayé de définir sous forme de triangle Paris-Berlin-Vienne et ensuite du pont terrestre eurasiatique, qui est un développement Est-Ouest pour de grands projets mutuels qui créent un système d'entente, de détente et de coopération. Et puisque parce que les gens aujourd'hui qui ont moins de 45 ans, c'est que soit des souvenirs très très vagues, soit C'est des aucun souvenir du images. tout. Ouais, donc pour bien comprendre, l'enjeu à l'époque pour toi et LaRouche, c'était de réindustrialiser l'Europe et de changer la politique occidentale vis-à-vis de l'Est et vis-à-vis d'elle-même. C'était de changer la politique dans le monde. Déjà en 1982, au moment où le dirigeant mexicain López Portillo, qui était très associé à Lyndon LaRouche, avait dit: il faut faire éclater la bombe de la dette, c'est-à-dire ne plus payer des gens qui escroquent les pays du monde par un système de dette qui est inique, et en créant une fausse croissance, on a dit pour l'Afrique une croissance pernicieuse, en créant tout cela, et il faut sortir de ce système-là pour un développement. Et López Portillo ne peut pas, malgré son discours aux Nations Unies en 1982, à la fin 1982, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'autre allié dans le monde qui se manifeste et qui le soutienne. Parce que là, la réaction en France, enfin en Europe occidentale, au moment de la chute du mur, ça n'a pas été ça, ça a été le FMI, ça a été tout ce qu'on a vu qui a Oui, bien sûr, détruit le niveau de parce vie qu'ils de l'Europe de sont l'Est et de entrés la dans Russie. le vide de projet, dans l'absence de projet, de ceux qui étaient honnêtement pour ce mouvement de libération. Et déjà, cette absence de projet, c'est une chose qui date, parce qu'en 1976, Aldo Moro est assassiné. Alors pourquoi il est Aldo assassiné? Moro. Aldo Moro, qui est le dirigeant italien, qui est assassiné, soi-disant, par les brigades rouges. Aldo Moro voulait faire une union entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne, à la base. Il est assassiné parce que c'est un facteur de changement de développement. Donc, tout ce qui arrive aujourd'hui en Italie, on peut le situer à partir de cette époque-là. Donc, il y a une profondeur historique à connaître et à comprendre. Et ce qu'on a effacé chez les gens, c'est cette trace de l'histoire qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, et puis il y a eu des gens qui ont été effacés, parce qu'au moment de
L'après chute du mur, si je ne me plante pas, il y avait Erhausen, qui était le dirigeant de la Deutsche Bank. Oui, Erhausen et Rohrwedder, qui ont été assassinés tous les deux. Qui était sur le point de proposer quelque chose de... Non, Erhausen allait aux États-Unis, proposer une politique de développement mutuel des pays de l'Est et de l'Ouest de la Pologne. Ouais. Et Larouche a saisi l'occasion en disant « Oui, c'est la Pologne qui doit servir d'exemple à une nouvelle entente et détente entre les pays de l'Est et de l'Ouest ». Et à ce moment-là, Erhausen est assassiné. Mm-hmm. Rohrwedder, qui dirigeait l'autre Rhin après la chute du mur, est aussi assassiné parce qu'il voulait une politique de développement de l'Allemagne de l'Est. Donc, on a empêché à tout prix, d'un point de vue des pays occidentaux, des services de renseignement en particulier, cette politique d'entente, de détente et de coopération qui devrait suivre la chute du mur. Alors, on trouve des dénominateurs communs avec ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui a permis à Yeltsin d'être élu et d'être en place, c'est les opérations des services anglais, de la CIA, du FBI et en Russie. C'est établi, tout le monde le sait. Donc il y a eu cette influence-là. Et après, on va accuser les Russes d'avoir tenté des choses dans les pays occidentaux. C'est évidemment le monde à l'envers. Il faudra qu'on vous mette, un lien sur le film qu'on a réalisé il y a maintenant 10 ans sur l'occasion manquée de 1989 et de comment est-ce qu'à l'époque, justement, on a... historiquement, il y aurait pu avoir un véritable changement pour les populations. Ça a été raté par les élites de l'époque, par la population aussi de l'époque. Donc c'est à voir par rapport à l'actualité des mouvements sociaux partout dans le monde. Donc avec Larouche qui, comprenant que cette occasion de 1989 se jouait sur le plan économique, de paradigme et de changement géopolitique au sens large, travaille, comme tu l'as dit, avec des dirigeants des pays non alignés. Aujourd'hui, on se retrouve avec des héritiers des pays non alignés en Amérique latine qui arrivent au pouvoir, qui se font dégager, qui reviennent, et toutes ces manifestations. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe maintenant en Argentine, par exemple, au Chili également, enfin, où en est l'Amérique latine? Je préfère le Chili, parce qu'il est très intéressant au Chili. Après, je parlerai d'Argentine, mais ce qui est très intéressant au Chili, c'est que c'est la petite chose dans l'histoire, le prix du ticket de métro, qui provoque le fait que les gens vont dans la rue. 1 200 000 personnes à Santiago, où il y a une population de 6-7 millions, c'est énorme. Dans tout le pays, 2 millions de personnes. Que disent-ils? Ils disent, au départ, oui, on veut une politique plus juste socialement. Puis, c'est une chose qui se développe. Et un des slogans, c'était, c'est pas les 30 pesos, c'est 30 ans. Ça veut dire, c'est pas les 30 pesos du ticket de métro, c'est 30 ans de dictature, on n'en veut plus. Et cette dictature, qui était celle de Pinochet, continue après, sans l'oppression militaire, avec une liberté apparente, mais elle continue dans le domaine économique et dans la façon dont le peuple est traité. Alors, ce qui est très intéressant, ce que disent les Chiliens qui vont dans la rue, ils disent, ils nous ont tout pris, même la peur. Donc on n'a plus peur. Et on va dans la rue. C'est ça qui est très intéressant dans ce qui se passe au Chili. Et qui a un point commun avec beaucoup de... Et qui a un point commun avec beaucoup de ce qui se passe dans le monde. Ouais. En même temps, en Argentine, Fernandez et Fernandez, c'est le retour de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de ce qu'ils représentaient. Parce qu'on a vu que Macri, qui était la politique soi-disant de centre-droit, en politique en réalité une dictature financière féroce, ultra-libérale, Macri s'effondre. Parce qu'il pratique une politique qui détruit la base argentine, qui empêche même de rembourser les dettes, parce qu'on ne crée pas la possibilité de remboursement, les dettes qu'on a prises auprès du FMI. Le Fonds monétaire international a donné une somme énorme à l'Argentine, 57 milliards, ce qui représente plus de la moitié des actions du FMI dans le monde. Alors il faut dire que ça paraît pas beaucoup, 57 milliards aujourd'hui, mais c'est très symbolique de l'importance accordée à l'Argentine. Et voilà que ça se retourne en Argentine. Voilà qu'il y a une présidence différente et un pays différent. Moi, je me souviens, c'est une vieille histoire en Argentine. Quand j'avais 15 ans, j'étais là-bas, entre 10 et 15 ans, et c'était l'époque du péronisme. Ils avaient ce slogan dans l'Argentine nouvelle, les seuls privilégiés seront les enfants. Ils n'ont pas tenu, cela. Donc il y a pu avoir le coup d'État de 1955 contre Perón. Puis après, Perón est revenu, il y a toute une histoire. Les autres non plus n'ont pas tenu. Donc on rentre dans une sorte de confusion, de chaos, par absence de projet. Et ce que je veux dire ici, c'est que ce projet aujourd'hui est plus que jamais nécessaire pour avoir une orientation de l'économie mondiale et en même temps dans chacun de ces pays où il y a des révoltes du peuple pour des raisons parfois très hétérogènes, très différentes. Mais où il y a quelque chose de fondamental qui est commun. On veut que notre dignité soit respectée. Qu'on ait notre mot à dire, c'est la participation aux affaires de notre État, et c'est en même temps une politique qui
permettent de mieux vivre, de vivre, avoir une vie décente. Et c'est ça qui caractérise tous ces mouvements contre cet ordre de l'oligarchie financière mondiale, inspiré par son passé et ses sources britanniques, et aujourd'hui par les services de renseignement anglais, qui sont actifs partout, y compris aux États-Unis, où c'est en train d'être démontré. Au Liban et en Irak, parce que là, en Irak, il y a eu 250 morts sur un mois, dernièrement. Il y a très clairement des questions sociales, mais semble-t-il, les enjeux sont peut-être encore plus importants sur les questions démocratiques, notamment au Liban. Alors toi, tu y es allé au Liban. Les deux sont... Les deux se conjuguent. Hein. C'est la corruption. Dans tous ces cas-là, il y a la corruption des élites, qui est certaine. Au Liban, c'est frappant. On se divise le pouvoir entre groupes religieux et on pratique un point commun qui est la corruption. Donc le général Aoun représente par rapport à cela une possibilité de changement. Général Aoun que j'ai rencontré pendant l'élection présidentielle. Et qui disait qu'il faudra changer ce pays. Ouais. Mais pour changer ce pays, il faut un mouvement populaire. Le voilà, le mouvement populaire. Il est là. C'est une sorte d'insurrection patriotique de gens qui veulent un véritable État dans lequel ils partent au pouvoir. C'est l'aspect, je ne dirais pas démocratique, c'est l'aspect de participation réelle au pouvoir par-delà le bulletin de vote. Et c'est aussi une libération par rapport à des oppressions exercées par des milieux religieux. C'est aussi cela. Il y a la conjugaison des deux choses. Et en Irak, c'est la déception d'une grande partie des chiites qui, après la chute de Saddam Hussein, ont exercé le pouvoir, ou leurs dirigeants ont exercé le pouvoir, mais tout à coup, ils s'aperçoivent qu'ils exercent le pouvoir dans des conditions d'injustice sociale. Donc c'est des chiites eux-mêmes qui se révoltent dans des villes à majorité chiite pour dire « on veut un Irak, une vraie patrie, une vraie nation, digne des combats que nous avons poursuivis dans toute notre histoire ». Il y a possibilité de voir ce qu'est le projet Phénix qu'on défend avec nos amis de oui, c'est le projet pour la Syrie. Pour tout un renouveau de la Syrie, puis après il y a l'action régionale sur les questions de l'eau, du transport, etc., qui permettrait de concrétiser ce pourquoi la démocratie a une valeur. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui une relation entre la situation de changement de la présence américaine, etc., là-bas, et cette... Il y a quelque chose d'essentiel, il n'y a pas de démocratie sans république. La démocratie est une fausse démocratie, celle qui est vendue aujourd'hui par les milieux occidentaux. Le National Endowment for Democracy, américain, c'est démocratie, hein, mais c'est pas la démocratie. C'est la responsabilité de protéger les intérêts financiers en place. C'est ça qu'ils appellent la démocratie. Alors justement, par rapport à ça, bon, il y a eu tous les printemps arabes, il y a eu ce qui s'est passé en Tunisie, mais surtout en Libye, en Syrie, on l'a dit, et en Égypte, etc. On peut donc s'interroger, enfin je suis pas du tout naïve quand je pose la question, sur la spontanéité à 100% de ce type de révolution. Pour revenir sur la question de ce qui se passe en ce moment depuis février en Algérie, où on se réjouit que le peuple se soulève et qu'il puisse y avoir un moment vraiment de rupture dans ce système algérien, politique et économique, il y a quand même une chose à avoir en tête, c'est que dès 2011, au moment des printemps arabes, il y a eu déjà à l'époque une tentative de révolution en Algérie et qui a été poussée non pas par forcément des citoyens algériens individuels, mais par un organisme qui s'appelle la coordination, la CNCD, la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie. On retrouve ce genre de termes, et qui regroupait plein de partis politiques, de syndicats, d'ONG sur le terrain algérien, dont la Ligue algérienne des droits de l'homme, le syndicat national autonome des personnels de l'administration publique et le fameux RAJ, qui est plus connu, Rassemblement des actions jeunesse. Alors, à l'époque, ils ont voulu faire ce printemps arabe en Algérie. Ça a échoué parce que les Algériens, et notamment, et nous l'ont dit, des intellectuels là-bas, ont refusé de se soulever parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de revivre les années noires et le retour du terrorisme comme dans les années 90, qui ont été absolument terribles. Mais voilà que là, en 2019, la goutte d'eau fait déborder le vase et l'énième mandat de Bouteflika met les gens... complètement à cran. Donc réellement, le peuple se soulève. Et en marge de la rébellion populaire, on voit à nouveau ces mêmes organisations qui infiltrent le mouvement et qui constituent, sous un autre nom, le collectif de la société civile algérienne pour une sortie de crise pacifique. On nous l'a dit, et je peux citer quelqu'un qui dit là-bas, en fait, à Alger, rares sont les manifestants qui affirment que le
le mouvement est entièrement spontané. La plupart sont conscients que c'est bourré d'ONG et que qu'ils prennent un risque de récupération. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toutes ces organisations que j'ai citées, elles sont financées, ça a été documenté, et où elles ont été, où elles sont encore financées par la fameuse NED, National Endowment for Democracy, donc qui est un organisme d'État dont le budget est voté par le Congrès aux États-Unis et qui est là depuis les années 2000, qui facilite l'exportation de la démocratie. Soi-disant démocratie. Pour quelle raison, Jacques Cheminade, et je te pose la question. Et il y a aussi une autre organisation qui est... La Open Society de George Soros. Open Society de George Soros. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi dans tout ce soulèvement, de ce risque de récupération par les Américains ? Alors, il faut voir dans ce soulèvement ce qui est parfaitement légitime. Le système algérien, les Algériens eux-mêmes disent, le 1er novembre 1954 et aujourd'hui, maintenant, c'est notre véritable indépendance, notre seconde indépendance. Et qu'on ça, veut on doit le quand le un système, et un système qui a collaboré avec les puissances occidentales en général et avec d'autres pays du monde aussi, y compris la Russie, à un certain moment, l'URSS. Donc, on veut une libération. Il y a ce sentiment très fort et qui touche tout le peuple algérien, qui a pu communiquer, comme les Gilets jaunes en France, à travers toutes les nouvelles techniques de communication des réseaux sociaux. Et sur le terrain, ça a été Facebook, ça a été à Paris aussi. Ça a été Facebook, ça a été même Google Maps est utilisé pour savoir où on est, où on se réunit. Comme les Gilets jaunes sont réunis dans le rond-point en Algérie, on se réunit sur la base de ça. Oujda, par exemple, on peut mentionner le cas où les jeunes qui avaient des qualifications dans ce domaine, on transmet ça à l'ensemble de la population, il y a eu une révolte. Donc on trouve ce domaine-là qui est parfaitement légitime avec un humour dévastateur, je dirais même assassin parfois, ces jeunes Algériens, très drôle. Mais il y a la manipulation. Alors National Endowment for Democracy, l'Open Society de Soros, est quelque chose qui s'appelle Canvas. Alors Canvas est une organisation inspirée par un Américain qui s'appelle Gene Sharp, et Sharp est un philosophe, entre guillemets, est un penseur qui dit qu'il faudra organiser des mouvements qui prennent l'apparence de tout ce qui a été authentique, mais en leur donnant un sens qui apparaît non-violent, pacifique. On offrira des fleurs aux policiers et à l'armée. On nettoiera les rues, etc. Dieu sait si Alger est sale, encore peut-être plus sale que Paris, ce qui n'est pas peu dire. Donc peut-être qu'un jour on va à Paris, on nettoiera les rues. Donc bon, il y a cet aspect-là. Ces organismes créent cette espèce de bienveillance un peu vague, on l'a vu, ça a commencé en Serbie avec Otpor. Et c'est frappant en Algérie que le point d'Otpor, algérianisé, passe en Algérie. Otpor, c'est 2000. Otpor, c'est au moment de la guerre des Balkans, qui est le premier. Juste avant, c'est contre Milosevic. Hein. Okay. Et contre toute influence, disons, russe dans la région, c'est clair. Donc, aujourd'hui, en Algérie, on a toute cette tentative de manipulation qui est très clairement établie et comprise, comme tu l'as dit, par les Algériens eux-mêmes. Mais c'est le point positif. Le dénominateur et le négatif, dans le monde, à Santiago du Chili, à Buenos Aires, un peu moins, mais en Irak, en Guinée, partout, c'est qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas un projet clair. Et nous, ce que nous disons, nous voulons un projet clair. Alors, je me situe du point de vue des gens qui sont dans les services de renseignement, dans l'FBI, la CIA ou les services britanniques, MI6, MI5. Comment pensent-ils? Ils savent qu'il y a une crise financière, ils savent que cette crise financière va déstabiliser complètement les choses. Ils ne veulent pas qu'une résistance s'organise, donc ils veulent créer le chaos. Et l'absence de projet aboutira fatalement à un chaos, comme il y a eu ce chaos dans les pays de l'Est à la chute du mur. C'est là que nous revenons au début de l'émission. Donc, aujourd'hui, il faut absolument plus que jamais qu'il y ait ce projet. Parce que c'est... 30 ans après la chute du mur, on a besoin absolument de ce projet. C'est sûr que c'est une réflexion qu'on peut se faire et que sûrement pas mal d'activistes sur place ont eu. C'est que pourquoi pas accepter les formations qu'offrent les Américains et puis de faire ça ensuite pour notre intérêt d'Algériens, de Français, etc. Enfin, pourquoi pas être dans le gouvernement de Vichy et préparer la libération de la France, hein. C'est exactement ce que ça veut dire. Donc, il faut être sévère avec ces gens-là, parce que si on est trop gentil ou trop compréhensif, on tombe soi-même, peu à peu, dans le piège qui est tendu. Et l'essentiel, c'est que va-t-il se passer
après l'effondrement du système financier. Alors celui-là va effectivement, certainement arriver. Aujourd'hui, les gens en place gagnent du temps en envoyant des brouettes d'argent fictif, c'est une image, en envoyant de l'argent fictif, pour tenir les choses. Des taux d'intérêt négatifs et de l'argent, comme on le voit le faire, la Réserve fédérale américaine. Donc tout ce système-là ne peut pas tenir. On peut gagner du temps. On peut retarder l'échéance, c'est ce qu'ils font. Mais une fois qu'il y a l'échéance, qu'est-ce qui va se passer? Alors, certains disent que ça sera après la nouvelle élection américaine, d'autres disent que ça sera avant, on ne peut pas le dire, ça sera avant ou après, parce qu'ils peuvent encore gagner beaucoup de temps. Mais en tout cas, l'échéance, elle est là. Et après cette échéance, que faire? Alors, ça veut dire qu'on profite du chaos dans le monde pour remettre en place un système autoritaire. Meadows, qui avait fait le rapport Meadows et Forrester pour le Club de Rome à l'époque, qui disait il y a des limites à la croissance, aujourd'hui, à ce projet de système autoritaire, il le dit d'ailleurs ouvertement, il l'a dit dans un article dans Libération, il a ce projet-là de système autoritaire, pour évidemment tenir les gens qui sont en état de révolte. Et ce système autoritaire jouera en effet, au départ, par des choses qui apparaîtront comme, disons, colorées, entre guillemets, les révolutions de couleurs, et qui après permettront de mettre en place un système dur, comme on l'a vu en Russie, au moment où Yeltsin a fait tirer sur le Parlement. Alors pour revenir, pour revenir sur la tentative de Larouche de saisir l'occasion de 1989 pour un changement de paradigme économique, et à ce qu'on peut proposer aujourd'hui aux gens qui se révoltent, c'est quoi notre projet? C'est quoi les points principaux? Le projet, c'est leur bien, c'est simple. C'est-à-dire leur donner les moyens de se développer qui répondent à leurs aspirations. Ça veut dire des transferts de technologies. On accuse la Chine d'avoir pris des technologies étrangères. C'est très bien pour moi. Ça permet le développement de la Chine. Tous les pays se sont développés à partir de technologies qu'ils ont, disons, adaptées ou prises ailleurs. Donc il faut ces transferts de technologies. Ça ne peut être fait que dans le nouvel ordre économique et monétaire international, ce que nous appelons le nouveau Bretton Woods, qui organise ces transferts de technologies. Pour faire ce nouveau Bretton Woods, il faut des banques nationales dans chaque pays qui fassent un crédit public. Et il faut organiser ces crédits publics dans l'ordre de ce nouveau Bretton Woods. Pour les infrastructures, pour l'éducation, pour la santé, pour l'accès à tout ce qui est essentiel aux êtres humains. Ce qu'on ne fait pas du tout dans les pays où les peuples se sont révoltés. On a fait une fausse croissance, très souvent, comme en Pologne. C'est une fausse croissance, il n'y a pas une croissance profonde du pays. C'est une croissance financière exprimée en termes comptables. Il faut faire une vraie croissance. Donc, la Banque nationale, le crédit public, et pour cela, il faut une séparation bancaire, parce qu'il faut que les banques soient dans le coup aussi. Donc, séparation bancaire, où on favorise les banques de dépôt et de crédit qui investissent pour le futur. Et ce futur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des technologies de pointe, les technologies du futur, mises en place progressivement. Il faudra la fusion nucléaire, mais ça ne veut pas dire qu'on ferme toutes les centrales au charbon demain matin. Il faut au contraire créer la base pour qu'on puisse développer la fusion thermonucléaire et les technologies qui produisent plus par être humain, par unité de surface et par matière apportée. Donc il faut cela. Et cela forme une cohérence. Et c'est cette cohérence qui manque dans la politique mondiale. Ce nouveau Bretton Woods doit être un ensemble cohérent, qui est ce dont rêvait en réalité Martin Luther King, ce dont rêvait un Gandhi, ce dont rêvait même, on pourrait dire, un Roosevelt, et ce que Lionel Larouche a développé en termes concrets, réels, par rapport au monde. Et cela, aujourd'hui, c'est l'enjeu et c'est le défi pour nous tous. Peut-être qu'on peut conclure sur une image assez belle qui montre que cet enjeu, qui est quelque part celui de la libération vis-à-vis des féodalités financières, qui s'est posé en 89 comme aujourd'hui, il commence à y avoir une conscience collective de ça. Et il y a eu quelque chose auquel on a participé parce qu'on a des Gilets jaunes parmi nous qui travaillent beaucoup à essayer d'éduquer le mouvement des Gilets jaunes en France. Et à un moment donné, ils sont allés à Chamalières, là où la France fabrique le franc CFA, donc qui est la monnaie que nous fabriquons pour un certain nombre de pays africains de l'Ouest. Et avec quelques Africains, ils ont protesté, ils ont fait un Facebook Live contre l'oppression financière et de l'euro et du franc CFA. Ça a fait 1 million de vues et ça a fait énormément de succès parmi la diaspora africaine. Et là, on peut voir que quelque part, il peut y avoir cette mise en coïncidence, en commun, voilà, des révoltes populaires, et cette prise en conscience qu'il s'agit d'un problème de paradigme, d'un problème de système. Alors, il y a cela, hein, histoire de
chamalière qui est extraordinaire, parce qu'avec très très peu de moyens, les Africains qui étaient là et nous, c'était 20 personnes. Et ça fait le tour, littéralement, de la France. Voilà, absolument. Et il y a la tête de Rémi qui apparaît, je ne sais pas s'il le sait, dans une association de banques qui montre la manifestation qu'on a fait devant le fonds de garantie et de résolution. Il n'y a pas de moyen, s'il y a une crise, de donner l'argent auquel les gens ont droit parce qu'ils ont fait des dépôts. Et ça, ça montre comment, avec peu de force, on peut créer en chaîne une réponse à une lame de fond et donner un sens à cette lame de fond. J'ai bien aimé une des choses qui a été affichée en Algérie. J'ai testé ce régime et je n'ai pas mangé. Donc, je change de régime. Et c'est changer de régime qu'il faut en donnant à manger des idées et toutes les nourritures qui permettent au corps et à l'esprit de se développer. Donc ne loupons pas l'occasion de 1989 une seconde fois. Continuons à éduquer sur les solutions, sur le combat de la ruche. Demain, Benoît Odile répondra à vos questions dans le cadre de sa série. Il faut vraiment que vous compreniez. Donc connectez-vous à 20h sur notre chaîne YouTube et posez-lui plein de questions. Et le 4 décembre, avec Jacques Cheminade, au Pont Neuf à Paris, on organise une réunion au sujet du combat de Lyndon LaRouche, ses idées et son combat, qui sont absolument nécessaires aujourd'hui. Donc merci Jacques Cheminade, merci Rémi. Merci, à la prochaine fois. À la semaine prochaine.